joue dans 5 heures à une ville qui est à 4 heures d'ici. Donc on trace. Ça y est, on est à Verbier, de retour. On est là pour Polaris Festival, qui est pour moi un des meilleurs festivals au monde, en fait, tout simplement. Énorme prog, je dis pas ça juste parce que c'est des copains, la prog est irréprochable chaque année, c'est trop bien. On y avait capté un live stream DJ set qui est sur YouTube, que vous pouvez voir où je suis dans la neige, clairement il est très facile à retrouver. À chaque fois que je suis ici, c'est un moment mystique et qui m'a déjà inspiré plein de trucs et tout. Et là je suis trop content qu'on y soit en équipe, ça va être trop bien. Et puis demain, énorme journée. Ce qui fait méga plaise après une semaine à bosser dans le noir dans une salle sur le prochain AV show Folle Amour et House of Love. Le rideau se referme avant que ça pète. C'est un truc ouais. Où à la main c'est quand même un peu technique quoi. Ah oui. J'en mets, trop bien. Ok, stylé ça. C'est bien. Ouais. Prochain AV show pour la tournée 2023 qu'on a déjà annoncé. Je pense qu'il y a déjà des dates sold out au moment où cet épisode sort. Ça fait du bien là de respirer le bon air après 3 jours enfermés dans une salle de spectacle à Marseille dans le noir. On va couper un peu de tout ça et on va se régaler. C'est parti. Salut Tom, salut. Raclette au fromage du pays, minimum 2 personnes. Alors je peux te dire que si je trouve pas une autre personne, je pense que je la défonce tout seul. Je pense que t'as pas besoin de trouver une autre personne. C'est le plat ultime de l'hiver, le gothi. Winter gothi. On y est. On est à Polaris. Enfin. Ça porte bien son nom. Ouais. J'avoue, ce matin on s'est réveillé, grand ciel bleu de fou mon gars. Et là, il neige vénère et il caille. Mais ça va être trop bien. Là on peut pas trop le voir depuis où on est, mais il y a une grosse bulle derrière avec Chaise Damien en train de jouer. Et moi je joue juste après. Et du coup on va aller un peu chiller là-bas, voir les copains. Mais c'est assez fou là. Franchement ça tue. Trop bien. C'était caliente. Bah ouais, parce que je vais vous montrer un petit truc. Il est 21h08. Je joue dans 5 heures à une ville qui est à 4h d'ici. Donc on trace. Ok, yeah. Hi. Hi Adrian. Tom. How are you doing, man? I'm doing great, yeah. Yeah. Je suis un chien.
C'était incroyable. C'était incroyable. Je l'ai déjà dit dans le dernier. Mais là, ils n'ont pas vu. Ouais, vous l'avez pas vu. Je suis vraiment désolé. Je dois respecter le lieu qui est franchement extraordinaire. Si vous venez à Bâle un jour, Basel, Switzerland, si vous venez ici, genre venez à Elysia, c'est une expérience de club utopiste, un rêve, c'est un truc de fou, le public est incroyable, ça danse sur tout, tout le monde a un big smile, il n'y a personne qui se pousse, tout le monde est super respectueux, il y a des gens de tout type, c'est vraiment, c'est ultra varié. Et c'est un club extraordinaire et je suis trop fier qu'on ait fait une House of Love. Et quelle House of Love, quelle House of Love. Franchement, ouais, c'est dur de pas vous montrer d'image. Et moi-même, c'est dur de pas avoir d'image. Mais j'en ai dans la tête et franchement, non, c'était fou. Et j'ai joué une tonne d'Unreleased et c'était trop bien. Et Parv a tué le truc avant moi, c'était chambé. Young Pulse s'était lancé là, il est encore en train de jouer. Young Pulse s'était lancé pour... achever tout le monde et non franchement c'était extraordinaire. C'était un énorme week-end qui n'est pas fini parce que demain on a encore 7 heures de bagnole et deux super shows en quelques heures, donc trop cool et là back home pour quelques jours et puis après on rebouge pour des choses que vous saurez dans le prochain épisode. Cheers.